Une fois leur circuit terminé, les jeunes orienteurs se présentent à la table secrétariat afin d'avoir leurs résultats. À cette table secrétariat, 4 élèves au minimum sont nécessaires pour fluidifier le flux d'élèves. Les élèves prennent donc en charge le carton de contrôle de l'orienteur et à l'aide du carton témoin, cochent les résultats, vrais ou faux, sur les circuits et peuvent noter sur un autre document le résultat global de l'élève pour chaque circuit. Ainsi, l'enseignant a tous les résultats en fin de leçon.